Merci de vous rasseoir. Une fois de plus, moi salue tout le monde dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un plaisir pour moi et pour que moi là matin, hein, pour moi partager la parole de Dieu en ce beau dimanche de la famille que moi gagne honneur sous l'invitation du pasteur Nouyo. Que moi là, moi remercie vous pour l'opportunité au moins pour me gravir cher là et partager la parole de Dieu avec nous. Moi content avec au matin. Amen. Moi béni le Seigneur pour famille moi. Alors pasteur là fa retirer trois dans petite moi yo. Ya, moi gain heureux privilège pour me c'est papa six petites. Premier petit, moi, j'ai 29 ans. Donc, c'est un plaisir pour moi, pour que moi, j'ai toute une génération d'hommes et de femmes qui suivent moi. Amen. Amen. Moi, j'ai pour me parler avec vous matin de la famille et sujet que le Seigneur te mettait sous cœur pour me partager avec vous. Il concernait en réalité les jeunes qui sont en âge de marier. Mais tout c'est une opportunité pour génération qui mariée déjà et qui est capable de comprendre quelque bagaille, capable de promettre nous pour aider surtout jeunes qui peuvent marier ou bien tout eux-mêmes pour corriger quelques erreurs que particulièrement nous fait les nous fin mariés. Moi souhaiter que bon Dieu va permettre que moi avoir nous passer un bon temps. Les conseils pour choisir son conjoint ou sa conjointe. En effet, il y a plusieurs auteurs qui écrivent sur ce sujet ça déjà. Je me rappelle, je lis un livre que pasteur Sylvain Exantus écrit. En réalité, il parlait tout de sujet, m'a parlé matin. Mais moi, je voulais faire une adaptation culturelle et sociologique en particulier pour que l'Église soit capable de bénéficier encore plus. Pour me gagner un texte d'orientation, c'est Matthieu chapitre 19, les versets 7 à 9. Comme nous connaissons la discussion que Jésus a fait avec les pharisiens et les hommes, ils ont posé Jésus en question. Ils ont dit, pourquoi donc lui dire, alors, les hommes qui étaient avec lui, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Le verset 8, il leur répondit, Jésus, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre commet un adultère. Alors le verset qui me retient, c'est particulièrement le verset 8, frères et sœurs. Et la phrase sur laquelle que nous allons nous accentuer, c'est au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc la famille, en réalité, frères et sœurs, c'est l'idée de Dieu. C'est l'initiative de Dieu. Quand vous pensez famille, pensez automatiquement à Dieu. Parce que c'est lui qui est l'initiateur de la famille. C'est comme si Mbak a décidé de parler de Mikwa, c'est pas jeune monde qui te fait Mikwa. Amen. Le plus souvent, donc, il y a le monde qui rentrait et qui décidait de former famille, mais ils n'ont pas tenu compte de l'origine famille. Surtout dans le siècle ça que nous vivons là, un siècle qu'on appelle le post-modernisme ou la modernité avancée, côté que tout le monde est centralisé sur eux-mêmes et yo fait ça yo vle, sans que yo pas du tout référé yo à l'origine ou bien à la source de quelle que soit décision yo t'apprend. Et c'est ça qui fait que la famille jodia vit face à un défi et nous dit c'est un défi majeur. Donc les familles, soit en Occident ou en Asie ou en Europe particulièrement, et familles ont de grandes difficultés pour rester ensemble, pour construire selon la pensée de Dieu. Le thème défi, c'est un élément qui accompagne nous. Et c'est ça qui permet que de pousser nous pour nous dire comment nous sommes capables d'aider, comment nous sommes capables d'accompagner l'autre monde. Et c'est ça qui fait que maintenant, je suis intéressé avec les jeunes qui peuvent marier. Et jeunes, peut-être monde qui mariés déjà, pour nous dire quels conseils que nous avons besoin de prendre, que tendez, surtout les nous pas mariés,
bien peut-être là nous fin marié, comment pour nous corriger si correction capable faite pour nous capable éviter et quelques dégâts et particulièrement dans mariage nous. Certainement les deux monde rencontrés yo remè nous besoin dire que selon la parole de Dieu remè gon sens. Moun pa remè pour remè, moun remè parce que bon Dieu mette dans cœur nous chaque yon désir pour nous compléter yon l'autre. En d'autres termes, l'homme devient complet, c'est face à sa femme. Et la femme devient complet face à son homme. Amen. C'est pas l'homme devient complet face aux femmes, ni la femme devient complète face aux hommes. Mais parole bon Dieu dit, chaque garçon bon Dieu créé, yon femme pour lui. Amen. Même quand tout a ouais réalité sociologique yo, nous gagnons situation qui bouillante. C'est pour toujours dire au commencement, il n'en n'était pas ainsi. Pas penser que ça a passé aujourd'hui a, pas penser que réalité ou bien tableau que yo peine devant nous aujourd'hui pour penser que c'était ça la pensée de Dieu. Non, l'idée de Dieu c'est que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Amen. Si nous la polygamie aujourd'hui, si nous avons moun après mais quitter remettre l'autre quitter remettre l'autre encore et finalement ouais moun gagne un canevas de ménage, c'est pour nous dire au commencement, dis avec au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pas comme ça bon Dieu te concevoir lui. Moi gagné une semaine depuis moi rencontrer un ami. Et puis il dit me comme ça que alors il était gantan gen l'âge, c'est une jeune femme, il était gantan gen l'âge 30 combien années, pas bien 40 ans. Et puis il dit me comme ça que il est marié mais il a un problème. Il dit qui problème ou gain dans un premier temps, il a un problème avec famille mari li parce que famille mari il pas accepté le vrai. Mande l'une raison, il dit me comme ça parce que il pas ca enfanter. Et il dit l'une bagarre qui fait le pas ca enfanter et l'église li fait songe pour lui que c'est parce que nèg la était déjà gagne un petit et que ancienne maîtresse monsieur a nous comprenons ça m'a dit dans le langage anthropologique pas vrai et ancienne maîtresse monsieur a ta marre vente lui et puis me dit waouh en mon grand pile problème là non seulement famille nèg la pas recevoir et puis dans tête ou quoi que le fait que ou pas fertile c'est parce que ou gagne des portions magiques etc. Frères et sœurs, ça m'a dit là, c'est une histoire ou bien un témoignage ou bien une illustration que nous rencontrons tout le temps l'église, que nous avons fini de marier et puis nous traînons derrière le mariage là, des questions que jusqu'à ce que nous mourions ou bien tout nous divorcé, nous n'avons jamais de réponse. Intention matin, c'est pour me conseiller quelques monde. Pour nous avoir moins de problèmes, pas de problème, nous n'avons pas de mariage, non, mais pour nous avoir moins de problèmes. Nous avons besoin de tenir compte, même avant de nous marier, particulièrement avec Genio. Avant de nous marier, nous avons besoin de questions nous poser ou bien des réalités nous avons besoin de connaître avant. Amen. Premier bagage, nous avons besoin de connaître. Les nous marier, nous devons nous connaître. Amen. Le plus souvent, nous devons nous marier avec un monde parce que nous seulement nous devons nous étonner. Yeah. Premier bagage, nous devons rappeler nous, mes bien-aimés. Les nous rencontrer au monde, premier bagage pour nous faire, même quand nous sentons que nous battons pour lui, commencez à réfléchir à tête nous. Est-ce que cet homme ou bien cette femme est la personne idéale pour ma vie? Amen. 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 Moi, je me compte qu'un pile monde qui me prie, il a le prier pour demander bon Dieu. En réalité, oui, parce que la parole de Dieu dit ne nous inquiétons de rien, mais en toutes choses, nous devons faire confiance à Dieu par des prières, des supplications. Et action de grâce. Et la parole de Dieu nous confirme que la paix de Dieu, la sécurité, la tranquillité, le repos selon nos doutes, eh bien, viendra sur nous. Amen. Mais nous besoin qu'on est tout. Nous avons notre part de responsabilité dans le choix que nous pral faire vis-à-vis de moun qui pral madame nous ou bien moun qui pral mari nous. Dis, j'ai ma responsabilité. Dis avec, j'ai ma responsabilité. Parce que quand pile monde qui remet avec monde et puis on dit que ça il va laguer bagala non mais bon Dieu. Mais bon Dieu bon responsabilité, bon intelligence, il
li bon sagesse pour connait est-ce que moun sa li conforme avec yes. Amen. 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 Tout monde qui peut marier avant même nous remer au monde parce que femme bien dit nous sans enterrer les l'amour et pas l'amour lié, c'est des sentiments, c'est émotion. L'amour ça s'apprend, l'amour se cultive. Allez, dis mon bar ni comme mon dis oui, tes garçons femmes, c'est pas ça que remet. Ça relève tout simplement yon émotion de sentiment ou exprimer lola. Parce que pour aimer, faut apprendre qu'on aime mon et mon apprendre. Ah, yo dit l'amour est aveugle, c'est pas vrai frères et sœurs. L'amour n'est pas aveugle, l'amour a deux yeux et l'amour voit clairement. Ou a saisi pour aimer mon monde parce que déjà t'es fermé, les gens fin ouvrir, ouais, c'est tout problème là vie on te recevoir. Dis avec l'amour pas aveugle. Moi mandé nous pour nous apprendre connait monde que nous pral marier. Et vous connaissez que des monde yo marié jodi a gen 25 ans monde beaucoup connait qui est. Ya, et ça fait que bagage ça li important. OK, n'a pas avancé frères et sœurs. Mes conseils moi yo parce que me doit prendre l'air avec exactitude. Premier conseil moi ba nous, là nous pral remon monde, là nous vle marier au monde, remet toi avec bon Dieu. Marié avec qui est bon Dieu. Écoutez, Dieu créa Adam et il a préparé Adam pour devenir époux et père de famille. Et lorsque le temps est venu pour que Adam puisse trouver celle qui sera l'os de ses os, chair de sa chair, et l'Éternel a fait sortir de ses côtes Ève. On prêche avec nous. De ses côtes Ève. Ok. Nous comprenons qu'on y a. Que fille qui pour marier avant là, c'est pas personnellement pour mettre son tableau dit meni, mais c'est une femme que Dieu te donne. Amen. Donc qu'est-ce qui est arrivé au contraire? Eh bien, elle a trouvé Adam au pied de Dieu. Puis Ganou et mon monde et puis n'a fait le converti. Puis Ganou et mon monde et puis nous mène à l'église et puis pasteur a prié. Finalement, l'a accepté Jésus. Toutes les femmes à marier, toutes les jeunes filles qui se marieront plus tard, nous besoin qu'on ait l'homme qui sera l'homme de votre vie, lidoué au pied du Seigneur. C'est au pied de mon Dieu pour nous joindre, puis qu'à nous m'aimer, ou bien puis qu'à nous penser nous marier avec un monde qui pas du tout dans le plan bon Dieu pour nous. Si nous prenons mon ou bien marier avec monde parce que nous avons bon caractère. Nous, elle a un bon sens, non. L'esprit qui le conduit doit être l'esprit de Dieu. L'esprit qui conduit, qui a formé cet homme ou cette femme, doit nécessairement être l'esprit du Seigneur. Alors, mise en garde à vos émotions, mise en garde avec ça que nous connaissons, instinct noir, dis-nous, son bel petit garçon, son bel petit fivré, dit t'as semblé sauter dans une grande famille, t'as semblé m'étendre, non. Est-ce que l'Esprit de Dieu est sous lui? Est-ce que l'Esprit du Seigneur l'y a animé? Bon Dieu béni, non? Tenez compte de ça. Et c'est ça qui prend le fait que il y a une erreur que une monsieur a fait. Nous lisons dans Juge chapitre 14, dans verset 1 et 2. Nous avons monsieur que les Samson. Et puis Samson, et, malgré le connaît l'Éternel, dit puis il y a une femme étrangère. Mais Samson allait le convaincre par elle. Pour parents, prend une femme, une philistine qui part dans bon Dieu. Et moi, avant nous toute une histoire, comment ça finit pour lui. Et il y a un monde qui détruit, c'est qui est femme, non. Et ça qui fait que tout jeune garçon, toute jeune femme qui a marié, s'il vous plaît, songez, monde que nous avons choisi, c'est pour nous jeunes qui bon. Au pied du Seigneur. Est-ce qu'elle me dit l'église? Non. Il y a l'église, mais elle va au pied du Seigneur. Il y a même pasteur, elle va au pied du Seigneur. Ce n'est pas le titre qui doit vous intéresser, mais c'est que l'homme est un homme de Dieu, ou bien cette femme est une femme, tu sais. Nous la trouvons où ça? Au pied du Seigneur. Et Samson a finalement une vie très bouleversée jusqu'à sa mort, parce qu'il avait choisi une femme qui n'était pas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Parole de Dieu dit nous,
bon Dieu yon moun c'est lui qui façonne. Ou un mon moun ou marié avec un moun c'est lui dit que ça que c'est vous deux lié lui même ou bien catholique lié ou pas un problème ni on dit pas bon problème. Écoutez, ou pas marié avec mon mari avec Dieu là, parce que tout ça va le faire la paix qui ça va influencer lui Dieu lui. Et ça fait que parole bon Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Amen. Deuxième élément pour moun nan tenir compte, c'est famille moun nan. Premier, c'est qui ça me dit? Bon Dieu li. Deuxième, c'est qui ça? Famille moun nan. Ah, grand pile moun, grand pile, surtout mariage 21e siècle, yo mwen que jeune yo anik vini que yo pote on bagay pa maman ou bien papa, yo dit comme ça, et maman mais tel me présente li, m'pral marier avec. Ou bien vice versa, hein? M'encourager l'église, s'il vous plaît, puis nous quitter, nous rentrer dans gros courant ça, marié avec famille autour. Parce que nous pouvons le rendre nous compte que là, nous prenons garçon ou bien nous prenons femme dans la veille, famille la suivre. Et si famille pas d'accord avec vous, et si famille c'est une famille de grands problèmes, nous pouvons dire nous ça que les grands problèmes. Parce que quand pile bagaille nous considère comme petit détail, mais malheureusement, là, nous commençons à marier, nous venons compliqué. Par exemple, les forteresses dans les familles. Imaginez quoi, on marie une fille et puis son fille qui posait en bas un empire, en bas une forteresse démoniaque. Et en pile fois que ou même ou pas qu'on prie, ou pas un homme bien connecté dans bon Dieu pour libérer madame ça. Eh bien écoutez, ces forteresses suivent, vous suivront. Dans pile famille, je dis à eux pauvres, pour qui ça? Parce que vous mariez avec une famille qui déroule un empire de pauvreté sur eux. Tout ça, garçon, fait le craser, le détruit. Il va jamais comprendre. Il y a plein de dix pays qui font ça, pas pays. C'est parce qu'il y a une forteresse. Que Dieu vous bénisse. Ah, est-ce que nous connaissons que nous marions avec un monde et puis pas de gens libérés et que nous savons dans la famille, nous ne pas faire petite. On va prendre petit temps pour chercher comme ça. Nous ne pouvons pas marier à nous, non? Nous sommes toujours fort et puissant pour déposer main et libérer, nous faut qu'on. Et pas l'offre fin marié, et puis ouais, chaque petit petit madame n'en fait, l'oblige à avorter, l'oblige à morner, et si ça, probablement, je ne vais pas te dire ça, mais l'enfant, mime, ah bon? Les m'a choisi un monde pour marier, il faut me tenir compte de l'arrière-plan familial. Bon Dieu béni, non? Ah, nous connaissons bien nos familles, toutes ces familles volent, les oui. Nous connaissons nos familles, toutes les familles volent, les oui. Et puis finalement, on rentre là. Et puis l'autre, on dit, qui est-ce marié là? On dit, ah, il faut m'y voler marié là, oui. Les mariés, pas marié à moun seulement, marié à qui est-ce tout. Amen. Yeah. Et nous va saisir pour nous ça que, il y a un pile monde qui pas tenu compte de ça. Yo prend un monde, il dit, bon, moi, je mon fia, même si tout le mariage à Kébé fia, fia dit, moi, je mon et papa, je crée mon. C'est moi, mais non, ça fait pour moi. Et puis, dès que là, même, on connaît, dès que là, après, et puis, allez, après ça. Oh, les douleurs seront incessantes, frères et sœurs. Gardez de l'eau qui a coulé dans mes mains, j'ai moun qui marie aujourd'hui. C'est dit au pape du soldat, du dadou, parce que m'te saisi sous nègla. M'te pantan sous nègla. M'te pantan sous fia, m'bat comme ça. Mais marié, marié. La parole de Dieu dit, mariage, c'est tant qu'on roche lié, de pour voyer ou fin voyer ou marié net. Amen. Je vais vite. Il y a des gens qui marient et puis ils pensent que sans la famille, ils ont toujours décidé de marier et puis ils ont viré de eux. Non. Bon, il y a des mamans qui parlent des petits garçons mariés. Amen. Ah ouais. Pourquoi nous avons un monde sous deux villes d'où fatigué? Beaucoup de gens ont une belle mère. Malgré toute sa belle fille a dit, Lido, toute sa belle mère a fait belle fille a dit, pas bon, toute sa belle fille a dit, belle mère a dit. Pas bon. On va chercher qu'on plus. En attendant, fais attention, l'op marié, faut qu'on famille, moun wap ma. Même quand pour prendre machine, juste dans le coin, dans le coin, dans le coin, chilon, dans le bombard de police. Oui. Allez, attendez. Pour qu'on compte au garde. Ou qu'on ait une Bible dans mon église, mon tour, on a de l'eau qui a collé dans les yeux. Ou toujours qu'on esprit qui a visité, qui a battu dans la cabane. Ou toujours qu'on diable dans la nuit qui a volé tout l'argent gagné. Parce que Maria en famille a ou ça. Li l'église, mais le peut libérer. Troisième élément, marié avec son éducation. Troisième élément, c'est pour nous marier avec éducation.
éducation mon nom. Ou pas qu'un médecin, ou pas qu'un médecine, ou pas qu'un l'autre a dit. Alors ça pas de là c'est parce que quand les kidnappes dit mettez médecin au féminin, elle dit c'est médecine. Donc les femmes sont médecine. Et je dis pharmacie, il dit femme pharmaceutique. Donc donc c'est une blague. Donc certainement ou pas qu'un médecin ou pas marié avec un monde et puis finalement pas tenu compte des niveaux d'éducation. Parce que sont belles filles. Où elle a une belle zone, elle a une belle pied, elle a une belle couleur. Et pour elle marcher, elle est élégante, elle broder, tout le monde vient regarder elle. Et pour dire, ah, cette femme doit être ma femme. Non. C'est important pour que vous ayez de beauté chez vous, des femmes gracieuses. Mais écoutez, il faut tenir compte de leur éducation. Sinon, on va devant l'abdéhier. Sinon, on côtoie, après entrer, elle ne peut pas rentrer. Et finalement, elle prend un petit épingle dans le pied. Parce qu'elle parle tellement fait jalousie pour promotion, il a toujours raté. Car il n'y a pas jamais avant avancé. Donc c'est pour tenir compte toujours, hein, frères et sœurs, de niveau éducation. Mon. Attendez, il y a le frère Télor avant de sa mort qui a prêché, qu'on a une prédication. Ça m'a répété lui, parce que ce qu'il avait dit, c'est bon. Il dit tout pain, il y a fromage, tout cassave, il y a mambaye. Merci. Moi, j'ai mon gars d'apprécier l'emplacement. Cassav, pain. Mais c'est important, bien-aimé. Bon Dieu béni nous. C'est important. C'est un cadre, et puis madame, on ne parle pas de lui. Son gros entrave. Lorsqu'on jeune fille, ou éduquée, et puis finalement, parce que c'est nègre qui paye Kaila, qui paye l'école là, ou embarqué au. Parce que là, je ton machine bas ou en bas, on va saisir pour elle, doit couler dans les yeux tout le temps. Parce que moun sa ou jaloux. Pourquoi ça? Parce que le pas comprendre ce qu'on fait. Niveau pas, niveau. Bon, je préfère ou pas marié tant pour en bas là, attendez. Parce qu'on va marier pour société, mais moralement, psychologiquement détruit et tout. L'on va marier avec un monde tenu compte. Moi, je dis, monsieur, yo marié avec des femmes intelligentes. Marié avec des beautés, mais que ce soit des femmes intelligentes. Je dis, mesdames, vous mariez avec aussi de beaux hommes, mais également mariés avec des hommes intelligents. Bien entendu, c'est le Seigneur qui bat tout ça, oui. Mais il y a un niveau de connaissance, de science, nous n'en lié des empiles. Amen. Avec qui ça n'a pas marié, avec qui ça éduit? Éducation. Ou qu'a toujours un bon monde, mais éducation le fait qu'on pas qu'à avancer avec. Ou qu'il doit son fille ou y et pour son fille cultivé ou intelligent. Et pour pas le marier avec un garçon, monsieur beau garçon vrai oui, monsieur bien campé vrai oui, monsieur t'as semblé le gain comme dans mes oui, mais regardez ouais monsieur pas cul par rapport à vous même craser ça. Et connais que des mamans pas dire garé. Connais que des matantes qui pas sortir l'autre côté dire ou même pas pour sortir pour qui peut pasteur. Ah mais l'a quoi créer pour koto. Les filles abdou ko sa ki, les nèg abdou ki ba diplôme so abdim la. M'pa bo manger, m'pa bo boire, ki ba diplôme abdim sa. Chèche mete dan au côté. Va étonner pour ma tante ou papa là. Ou va étonner pour c'est pour qu'on doit crier. Bon Dieu béni nous. M'a pas avancé. Non seulement m'gen pour marier avec bon Dieu moun nan, m'gen pour marier avec famille, m'gen pour marier avec édu. Troisièmement besoin pour marier avec finance li. La paix bon Dieu avec nous. Ça m'a dit qui ça? Finance li. L'aime dit finance li pas obligatoirement les m'a marié faut moun nan gen l'argent. Mais faut moi projet moun nan c'est l'argent. Faut moi moun nan gon projet pour li prospère. Pour l'avancer. La paix bon Dieu avec nous. Bon Dieu bénin. Ah, moi ouais nan protestant moun yo fort comme ça oui. Donc ou deux intellectuels qui marié, deux moun qui kon li et puis au lieu pour yo construire carrière yo et pour yo nan vann parfait. L'autre là, il vend pas d'app, et puis il y a un PSK qui est marié. Frères et sœurs, même quand tout a dit qu'on fait commencer, je dis non, il n'y a pas commencé. Pour qu'ils ne soient pas préparés au mariage là. Pour qu'ils ne soient pas produits d'abord des projets qui pour permettre que le mariage a profilé, prospère. Oh Dieu béni, non. Mais quand on a des gens qui paraissent, qui paraissent mes travail, ils ont plus mes filles à dire ah, bon Dieu connaît, bon Dieu a pleuvé ma terre. Non, bon Dieu déjà levé vos bien-aimés garçons. Dis bon Dieu déjà levé. C'est projet pour me faire.
C'est ça qui fait tout bon mariage, c'est un projet lié. Amen. Et tout projet doit commencer aujourd'hui et pas demain. Amen. Parce que l'avenir commence aujourd'hui. Amen. Amen. Les nous marier, puisque c'est l'homme qui est responsable pour prendre son foyer, pour le bail, pour le bail manger, pour le petit monde à l'école, pour l'occuper éducation, maladie, autre. Je ne sais pas pour qui ça, mesdames, mais sous monsieur, ça a reposé. Et ça fait que pour les grands vies mariées, il faut qu'on côté qu'elle a sorti. Faut qu'on côté machine, faut qu'on transport côté la sortie, éducation côté la sortie. Pas marié sous compte bon Dieu bon monsieur. Mes amis. Amgale pas passé là. Pas marié sous compte bon Dieu bon. Oh chéri, nous mettre marié, bon Dieu va aider nous. Bon Dieu déjà aide nous déjà. C'est pour dire chéri bon mon petit temps. Moi, poko ka marié, je prends le travail, je prends le faire fortune, et pas vrai? Et puis, quand je prends le créer, un terrain de prospérité. Amen. Parce que, bon, je dis non, bagay, c'est pas un jouet lié, non? Love, c'est money lié, oui? Puis, quand ben, t'es tout problème pour penser au bagay, parce que son homme de prière, pense que madame n'a pas toujours content ou on a là, non? Je dis la vérité. Et je dis la vérité. Même quand tu es fier tout comme ça, chez vous, pas besoin de problème. N'a prié pour déjà faire tout le bagage. Pour qui me le donne? Après 3 jours, rentrez là quand elle a 100 comme. Je commence à dire, Jésus! Chérie, sois game. Bah, qu'on aime, bah, qu'on aime, ma prière comment? Même après mes 30 ans de mariage, même après mes 30 ans de mariage, j'ai besoin de continuer à travailler parce que madame m'attend toujours un bagage de moi. Et bon, je 30 ans de mariage, j'allais pour 30 ans de mariage, je suis dit, je sont 30 ans de dur labeur. Non seulement je travaille pour la société, pas discriminer, pas mettre préjugés sur petit moins gens, c'est vite à te dire là tout à l'heure. Mais je travaille tout pour madame, moi j'ai confiance dans vous. L'homme pas gain cob, l'homme pas travail, l'homme pas payer caille. Madame nan caille là avoir mais pas gain confiance dans vous. Et bon dieu, conseil de respect pour gagner monsieur. Je parle aux hommes de l'église. Conseil de respect pour gagner. Faut qu'on capable fouer maintenant pour résoudre le problème voyer. Je vais entendre un gros amen. Amen. Et soit madame n'a toléré, supporté, pas songez ça. Les livres devant famille, et elle pas travaille. Après, mon Dieu. Que Dieu bénisse vos finances. Que Dieu vous rende prospère. Que Dieu vous donne de l'intelligence pour travailler, gagner de l'argent. Afin de prendre soin de vos familles. Amen. Amen. Non seulement ma mariée, bon Dieu, lui. Ma marié avec famille, ma marié avec éducation, ma marié avec yes, finance li. Et finalement ma marié avec physique li. Nous c'est pas c'est naturel. C'est naturel. Le pasteur la faga dit faut nous marier ma choué moun. En effet, premier élément nous mettait en cause les nappes mariées, c'est surtout Tifi a son bel Tifi, petit garçon son bel petit garçon. Mais la parole de Dieu fait nous connaître, la beauté est passagère. L'élégance est passagère. Et ça fait que nous avons besoin de remer avec nan moun nan. Nous avons besoin de remer avec salier en dans et non salier dehors. Parfois, madame, quand je regarde, je me dis, mais oui, où est-ce que tu es l'homme? Mais où fais-tu un paquet petit? Ou après, tu es dans le cadre? Parce que, ils pensaient autrefois, les femmes disent ça toujours aux hommes, parce que ils pensaient qu'autrefois, et pendant fiançailles, ou bien pendant notre jeune dans le mariage, là, tu es une sensibilité. Parce que c'est comme si sa beauté comptait beaucoup plus pour moi. Mais certainement, au fur et à mesure, je ne prendrai pas, ce n'est pas à partir de beauté. Je ne pas prendre découvrir la femme gracieuse qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Parce que c'est ennui pour marier avec une fille. Et pourtant, des filles ont deux petites déjà.
C'est ennui pour mari avec une fille. Et puis pour fille, elle a dit que les voisins, voisines, elle a dit que les frères de l'église là, ils sont sortis avec elle. Je m'a dit que je ne pas bien haut, qui est rideau, m'a dit là. Et c'est ennui pour marier avec une fille. Et pourtant, des gens qui ont dit que les gens qui ont venu l'église, qu'on frère l'église a tout passé là, qu'elle a l'air de manger avant. C'est ennuyant, n'est-ce pas? Eh bien, quand la femme se respecte, quand la femme est une femme de Dieu, qui craint Dieu, conseille de ouverture pas bail parce qu'elle est une femme mariée. Amen. 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 Oui, quand vous êtes une femme mariée, il faut respecter votre mariage. Il faut respecter votre mari. Et ça fait que des gens ne peuvent pas parler avec encore parce que nous sommes tous sous le monde. Nous sommes tous envahissants. Pour le respect de votre mariage. Ce n'est pas pour jalousie. C'est pour le respect de votre mariage. Et bien, quand la femme sait ça, quand votre femme se respecte à ce niveau, ah, ce n'est pas physique là important, c'est sa beauté intérieure. Mais toutefois, ou de toujours leur apprendre que l'église a là, esthétique la compter. Besoin toujours tenir compte de une femme qui est belle ou bien de un garçon qui est beau. Bien que ça passe très relatif dans la philosophie, il dit que sa beauté, ça va dépendre de qui je garde. J'aime lever matin au mois, dans mon regard, c'est plus beau garçon dans le monde là, mais pourtant, après, on lui dit, ah, figure, non, âgé ou joie. Bon, elle me dit ça constamment. Elle me dit ça. Donc, c'est pour vous dire que beauté, son bagage qui est passager, beauté, son bagage qui est pas éphémère. Et ça fait que faut nous pas mettre trop accent, mais cependant, les nappes mariées, il faut nous tenir compte de, quand même de esthétique, de propreté. Pas vrai? Amen, Amen c'est l'église. Amen. Amen, c'est l'église. Oui, il faut que vous soyez belle. Oui. Faites-vous belle, surtout au foyer, à la maison. Quand votre mari rentrera du travail, eh bien, il faut qu'il retrouve la beauté à la maison. Une femme gracieuse, belle, avec fait toilette, non, pain, cheveux, non, mettez belle petit coup de paix, même quand c'était cheveux naturels, ou capable de vieux faux cheveux, vieux permanents, vous êtes normalement belle à vous-même. Amen. Donc, faites-nous belle. Les maris nous rencontrent, faites-y les gosses pour lui. Les l'entrée dans la chite, même quand c'est après 30 ans de mariage, chite à bon côté, fait le manger. Mariage pas usé. C'est l'amour qui bat mariage vie. Ou quand il y a 50 ans de mariage, mais mariage beaucoup plus jeune que le monde qui est marié 10 ans. Pour qui ça? Parce qu'on a connaissance de ce que c'est, comment on donne la vie au mariage. Amen. Gardez-vous belle, gardez-vous propre, gardez-vous bien. Comme ça, votre mariage durera jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Amen. Merci bien-aimé pour le temps qui m'est donné de partager. Si je dois rappeler, c'est que mariage 21e, ça reste un mariage désordre, un mariage franchement désordre. Nous n'avons pas trop d'années, t'es là marié de demain, le algado, ouais, pas une famille. Non, il faut marier avec votre famille. Ou est mon al marié pour te dire ça, c'est adventiste, ça, c'est pentecôtiste, ou est ça, c'est vaudouisant, ou bien ça, c'est franc-maçon. Non, faut que bon Dieu nous sait, même bon Dieu. Faut nous marier avec éducation, mon nom. Puisque tout autant nous connaît, tout autant nous gagne métier, tout autant nous gagne connaissance, nous avons prospéré plus, nous comme ça. Amen. Amen. Mais si nous n'avons pas de métier, nous n'avons pas de formation, nous n'avons aucune connaissance, bon, nous avons fait un métier qui est plus difficile, mais qui est plus accessible, mais nous n'avons pas l'argent, non? Machin de l'eau pas en pile comme non? Non. Travail comme un pas en pile comme non? Alors je parle aux jeunes. Hein. Évitez-moi mes frères et sœurs. Je parle avec les jeunes. C'est l'école pour nous aller. Pour nous gagner un métier. Si nous besoin de l'argent, non, mais nous faisons notre. Et puis, bon, me rappeler, nous avons un seul métier par métier. Non. Apprendre l'autre métier, apprendre l'autre métier. Amen. Parce que tout autant qu'on connaît, c'est tout autant qu'on a vu, joignons. Amen. Marié avec finance, mon nom. Finance n'est pas obligatoire, mais on a l'argent qui est la banque. Mais on regarde, mon nom, où est-ce qu'on qui semble à l'argent. Ou les nègres ça parle, ou semble nègres ça, rêve liste rêve pour le gars qui ça. Cop, parce qu'on a un métier, ou a un projet, ou a la fait économie, ou elle la fait bonne gestion de l'argent. Ou dit, si je construis un nègre ça, je ne gaspiller l'argent, parce que ce n'est pas nègre. Amen. Et mesdames, tout faut nous contribuer à finance marine. Les maris nous battent nous cop, même quand nous pas au travail, mais faut nous faire. À prospérer à partir de là l'argent. Puis à nous quitter marié à la nal construit pour famille, construit en deux et puis finance marié nous gon trou la donne et c'est nous mêmes qui fait ça. Pour jeune pour moi même avoir capable éviter que nous échouions dans mariage nous ouais ce sont des petits détails, c'est pas vrai? Des petits détails que on pas toujours tenu compte. Et pourtant ce sont des détails qui compliquent la destinée de nos vies familiales. Des détails que peut-être là où est une femme, là où est un garçon, émotion pas tenu compte de lui. Lui seulement dit engage, ou dit ti chéri, bel garçon, belle femme. Et puis,
L'enfant marié avec lui, c'est tout un inconnu. Et où il y a un puzzle là pour manquer pièces. Et parfois, pour aller chercher pièces là, nous obligé de demander pasteur pour faire veille de nuit, jeûne de prière. Nous obligé de faire conséquence. Merci pour nous monter sur la montagne. Tandis que si vous étiez intelligent, sage, si vous étiez des gens perspicaces, circonspects, nous t'avons évité un pile danger. Ou même qui gagne de l'eau qui a coulé dans les yeux parce que tu fais un mauvais choix. Bon Dieu, le Seigneur Jésus est le réparateur des brèches. Bagay ko pa konnen li ka fè. Mais ou même qui peut se marier, s'il vous plaît, évitez de tomber dans ces galères. Parce que la parole de Dieu est vraie. Que Seigneur bénisse famille. Que bon Dieu bénisse foyer. Que bon Dieu bénisse mariage. Alléluia. Que ceux qui ont 50 ans de mariage, prient pour ceux qui doivent se marier. Ceux qui ont 30 ans de mariage, bénissez ceux qui doivent se marier bientôt. Parce que votre mariage doit durer jusqu'à la mort. Que le Seigneur vous bénisse.